Madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Semaine passée, nous avons débuté avec ces sujets qui touchent nos sensibilités, qui dérangent un peu notre foi. Il s'agit du ministère des anges. Sont-ils au service de Dieu en faveur des hommes ou peuvent-ils être directement consultés, contactés et dirigés par le croyant, les simples mortels que nous sommes? C'est cette question, ce sont ces deux questions que nous nous posons depuis la semaine passée dans cette émission pour comprendre réellement qui sont-ils, les anges. Ceux-là qui travaillent pour nous, ceux-là que nous contactons, sont-ils réellement des anges fidèles à l'Éternel ou sont-ils des anges déjà déchus, des anges rebelles? Bienvenue à cette deuxième partie autour de cette question avec notre invité, le prophète Samuel Tamba, un enseignant, un docteur de la parole que nous avons fait revenir ici pour en parler. Nous sommes déjà à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Toujours dans cette entreprise à la quête de la vérité, de la lumière sur des questions qui taraudent nos esprits. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous revenons sur ces sujets que nous avons abordés depuis la semaine passée, les anges et leur ministère avec les prophètes Samuel Tamba. Nous avions dit, faut-il réellement que de telles révélations soient portées à la connaissance de tous ou ce sont des révélations gnostiques qui sont réservées à une catégorie de croyants, comme les faisait le Seigneur lui-même, à certains moments, il ne se retrouvait qu'avec Jean, Jacques et Pierre, qui avaient la connaissance qui entrait dans le plus grand secret du Seigneur. Prenons comme par exemple la transfiguration. Bienvenue encore une fois, cher pasteur, homme de Dieu, Samuel Tamba. Oui, merci Rémi. Mes salutations à tous. Nous puissions être en contact avec le monde extérieur. J'en profite également pour saluer ceux de ma communauté, les ambassadeurs pour Christ, ceux qui sont en province, ici à Kinshasa, à l'étranger. Et je n'oublie pas notre visionnaire, le prophète Gary King, ainsi que tous les téléspectateurs qui vont nous suivre par rapport à cette année. Merci beaucoup, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, parce qu'il faut le dire, hein. Vous haussez un peu la dimension, les niveaux de notre débat. Vous êtes de ceux-là, permettez-nous de vous flatter. Hein? Ça fait partie de la vie, quoi. On ne peut que vous honorer puisque vous répondez favorablement à nos invitations. Vous haussez les débats. Vous avez la qualité des connaissances qui permet à ce que, même de loin, nous avons reçu des enseignants de Paris, de Londres. Nous avions même transféré le message qui sollicite même un débat. Les enseignants de la Torah, c'est pour dire que tout ce que vous dites là touche, percute et bouge. Et ça vous fait comment quand vous recevez parfois des réactions comme ça, qui viennent de ça et là, de partout dans le monde, et d'autres contradictoires à votre opinion? Vous savez, Rémi, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, « Qu'as-tu que tu n'as reçu ?» Donc, quand je reçois ce genre d'encouragement, je ne peux que glorifier le Seigneur. Ce n'est que pour grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est purement la grâce de Dieu. Je pense que nous aurons notre temps à débattre. Hein. Je vais encore vous poser une autre question. Okay. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas d'accord, tout à fait d'accord avec vous, qui pensent aussi de tenir un certain argument favorable à leur entendement, à leur opinion, et qui croient qu'ils sont dans le vrai, est-ce que vous pensez que le Seigneur se divise dans cette histoire-là? Vous savez que les Français disent du choc des idées, jaillit la lumière. Mais en cette matière spirituelle, d'ailleurs, vous avez bien posé la problématique. Nous sommes sur une frontière par rapport à l'angéologie, à la doctrine des anges, à l'enseignement des anges. Faut-il aller directement vers Dieu ou il faut passer directement? Non. Faut-il aller d'abord vers Dieu pour atteindre les anges ou faudra-t-il passer directement par les anges? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Par exemple, le message que vous voyez passer, cela montre clairement que cette personne-là est en dehors des vertus bibliques. Parce que la Bible est la parole de Dieu.
Et tout ce qu'il affirme là n'est pas la parole de Dieu. Or, nous, nous sommes en train de parler sur base uniquement de la parole de Dieu qui est la seule vérité que nous prenons, et c'est la seule vérité qui va demeurer. La Bible dit, au commencement était la parole, et cette parole-là, c'est Christ. La parole, c'est la parole de Dieu. Donc, tout autre enseignement, comme ce fut le cas avec notre futur co-débatteur, lui, il se targue sur des valeurs qui ne fondent pas leurs racines dans la Bible. Donc, voilà pourquoi je peux dire sans embâche qu'il est à côté de la plaque. Il est en dehors, et si vous nous offrez ce temps-là, nous aurons le temps, le moment favorable de pouvoir démontrer et prouver tout ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, alors pour chuter un peu avec la préoccupation de téléspectateurs, de ceux qui ont suivi notre émission, que nous gardons l'anonymat, mais nous avons quand même transféré alors, son message et nous voulons qu'on fasse une mise au point. Parce que selon lui, le livre tel que le voient les téléspectateurs, que vous évoquez, n'est pas celui que le pasteur David Oyedepo a publié. Il nous a même envoyé une photo et aussi que les téléspectateurs sont en train de voir et des extraits de pages, je crois, de préambule, de préface comme ça. Alors, qu'en dites-vous par rapport à ça? N'êtes-vous pas tombé sur un livre falsifié? Parce que je dois aussi le rappeler, quand on le lisait ici, il y avait aussi quelquefois, par des fautes de français, je ne sais pas si la personne qui l'a traduite, telle que vous l'avez envoyée, l'a fait de façon littérale, comme ça, il prend le mot, il le place. Ok, monsieur Rémi, je voudrais un peu fixer les esprits. Ici, nous ne sommes pas, je ne suis pas venu étaler une connaissance, non, a priori. Je suis venu pour faire une dénonciation. Je suis venu préserver, voilà le terme, les enfants de Dieu. Je fais ce que j'appelle la préservation de la race. Le monsieur qui a réagi, qui a interréagi, est en train de protéger l'auteur. Il peut être son parrain, son pasteur, monsieur Oyedepo David. Mais nous ici, nous sommes en train de protéger les enfants de Dieu. Peu importe ce qu'il dit, mais je vous ai donné le site. C'est une matière qui a infiltré le milieu chrétien. Je vais donner le nom du groupe, 10086 bibliothèques chrétiennes. Donc, c'est de la matière qui est déjà sur le marché public, je peux dire comme cela. Il y a déjà des gens qui sont en train de la consommer, cette parole. Alors, s'il estime que nous avions été induits en erreur par une source, vous avez les moyens, je pense, la production a les moyens de pouvoir montrer le site à la télévision. Mais moi, je peux néanmoins me référer à la lecture, au livre en électronique. Mettez vos anges au travail, David O. Oyedepo, copyright 1986 par David Oyedepo, je saute, et publié pour la première fois en 85, réprimé en 86, en 87, en 93, en 95, en 2007, en 2009 et en 2010. Et cette version, elle est de 2010, une version qui est réimprimée. Donc, on n'a rien inventé. Vous avez le numéro du site, vous avez le lien, je pense que vous allez montrer aux téléspectateurs, ils peuvent entrer. Et cette production, cette publication date du 27 mars 2023. Pour dire que cette matière est déjà sur le marché, raison pour nous de nous lever. Parce qu'il y a déjà des gens qui consomment. S'il veut poursuivre, il n'a qu'à aller, parce que je vous dis que la matière est déjà sur vente. Elle est publique. Tout le monde est en train de la consommer. Alors, en tant que sentinelle de Dieu, on ne peut pas laisser une telle matière circuler librement. Voilà pourquoi nous nous sommes levés. Lui s'élève, parce qu'il doit, il veut protéger une personne. Mais nous nous levons, parce que nous avons une population, nous avons un troupeau, nous avons un peuple. Le sang de Christ a coulé pour ces gens-là. Et nous nous levons, Rémi, parce que déjà la matière est là, sur la place publique. Lui n'avait pas vu, mais nous, on a vu cela. Et je suis en train de dire que cette matière a déjà infiltré le milieu chrétien. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien. Or, le livre tel qu'il est publié actuellement, c'est un livre qui est occulte. Et nous aurons à les démontrer tout au long de cette émission. Voilà. La fois passée, nous avons parlé des anges. Qui sont-ils? Vous nous avez présenté les anges
comme étant des serviteurs de Dieu qui sont là pour, en faveur de croyants, oui. de ceux qui ont cru en Christ, et ils sont là pour les accompagner, pour accomplir, ils sont comme des messagers, pour veiller, tel que vous l'aviez aussi présenté la fois passée, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Nous n'avons pas besoin d'inviter un ange, de débloquer un ange, ou de l'activer, de le réactiver, de le mettre au travail. Alors, quelque part aussi, nous avons lu Hébreux 1, 14, je crois. Voilà, et voilà. Parce que... oui, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'était une question qui a été posée, c'est-à-dire les anges ne sont pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire exercer un ministère, exercer un service en faveur de nous croyants qui allons hériter le salut. Alors, vous ne trouvez pas que quelque part aussi il y a eu une contradiction entre les pensées, la mission des anges. Il n'y a aucune contradiction. Parce qu'au même moment, ils sont au service de Dieu, au même moment, ils sont aussi au service des hommes, croyants. Il n'y a aucune contradiction. Si nous rentrons dans le contexte de ce passage, Hébreux chapitre 1, le verset 14. En fait, du premier verset au 14e verset, là, l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de démontrer la suprématie de Christ par rapport aux anges. Très important. Donc, tout ce passage du 1 au 14e verset, Hébreux 1, il est question de la suprématie de Christ par rapport aux anges. Pourquoi ? Parce que dans l'ancien temps, les gens étaient habitués à voir les anges. Et maintenant, celui qui a écrit ce passage est en train de démontrer clairement. D'ailleurs, si vous voulez faire la bonne exégèse de ce passage, descendez un peu au verset 13. Écoute ce qu'il est écrit. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite ?» Donc, il y a des paroles que Dieu, le Père, a fait sortir pour Christ, qui ne fera jamais sortir pour les anges. Vous comprenez ? Donc, ce verset 14 entre dans cette logique-là. Et du même moment où ça entre dans cette logique, ça nous donne... Ça, c'est la frontière maintenant. Mmh. Pour savoir, ça, c'est le verrou. Vous savez, on a subi une guerre ici au pays, la guerre de l'Afdel. Il y avait un verrou à Kenge. Si on franchissait Kenge, en ce moment-là, on prend la capitale. Mais si on repoussait les rebelles à Kenge, on ne prend pas la capitale. C'est ce qui se passe ici. Vous avez bien posé la problématique. Cela veut dire quoi ? Dès que nous avons un enseignement ou une doctrine qui fait en sorte qu'un homme puisse prier, adorer ou commander un ange, tout de suite, nous savons que nous sommes dans une angéologie kabbalistique. Donc, une angéologie de kabbale. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous sommes devant des occultistes. N'oubliez pas, je vous avais dit la fois passée, que la doctrine des anges, l'angéologie kabbalistique est l'épine dorsale. C'est la doctrine de base de la kabbale juive. Cela veut dire quoi ? Que tous les pasteurs occultes et kabbales sont en train d'exercer leur ministère au travers des anges, des anges qui sont déçus. Voilà pourquoi l'auteur de ce livre, Mettez vos anges au travail, a commencé par omettre cela. On l'avait dit la fois passée. L'omission était soit volontaire, soit il s'est inspiré des versions sataniques ou des versions catholiques qui sont en train de raisonner comme lui, de la manière occulte. On l'avait dit la fois passée. Et cela nous a amené jusqu'au à la page 16. À la page 16 où il y a une prière. Le gars qui a interagi avait dit que ce n'était pas une prière, mais on va démontrer que c'était une prière. Mais avant d'en arriver là, à la page 11, allez à la page 11, troisième paragraphe, on a dit que l'onction ne pouvait pas remplacer le service des anges. Troisième paragraphe. Oui. L'onction ne peut pas remplacer le service des anges. Ok. Jésus-Christ est né du Saint-Esprit et il avait l'onction du Saint-Esprit. Oui. Sans mesure. Oui. Mais il avait besoin du service des anges. Continuez, il y a une fois. Il a cru. Je suis heureux de vous faire savoir que Jésus a cru
dans les anges et il a apprécié leur ministère même. En tant que fils de Dieu, c'est ça que nous appelons. Il ne servait pas le péché. Autant il avait besoin de service. Allons-y méthodiquement pour essayer d'aider le peuple qui est en train de nous suivre. Cette phrase est apparemment innocente, mais ça contient une malice. Quand il dit que l'onction ne peut pas remplacer le service des anges, cela veut dire qu'il est en train de présenter le ministère des anges comme étant irréversible, incontournable, pour que nous puissions atteindre le succès et la victoire. Mais écoute ce qu'il dit. Jésus a cru au ministère des anges. Cette phrase-là prête à confusion. Ça prête à confusion. Il a cru. Où ça? Je me pose même la question. Comment pouvait-il croire? Parce que c'est lui qui les a créés. Dieu ne fait rien au hasard. La Bible nous dit que toutes choses qui ont été créées dans les cieux et sur la terre ont été avec Jésus. Donc lui-même, le Créateur, il est étonné. Il se pose des questions. C'est comme s'il a fait une erreur. Raison de plus pour vous montrer la supercherie. Et quelque part, il a donné des choses vraies. Certaines phrases qui sont vraies. Ça, il est en train de faire ce que nous avions dit. Il y a une doctrine, le syncrétisme. C'est-à-dire quoi? Deux fois, il entre, il prêche la foi. Et quelquefois, il sort. Et le syncrétisme, ça s'écrit avec S-Y-N-C. Ça, c'est le syncrétisme. Okay. Et c'est la séduction. Ça, c'est pour mentir. Mais posez-vous la question, comment Jésus-Christ pouvait croire? Lui, le Créateur, lui, il est l'ange incréé. Tu as fait ta création avec toute l'intelligence que nous connaissons de Christ et la sagesse. Comment pouvait-il encore croire? Donc, il a fait quelque chose en qui il ne croyait pas avant. Ça, c'est une question que nous nous posons, que nous allons donner la réponse après. Et l'auteur continue son apologie. À la page 10, vous voulez aller? Oui, on remonte. Il dit qu'il n'y a aucun homme de valeur. Il n'y a presque aucun homme de valeur dans les Écritures qui n'avait pas des preuves physiques et tangibles de la compagnie angélique. Là déjà, il est en train de préparer le peuple de Dieu d'être accompagné par les anges, d'avoir comme ami les anges. Mais ce que l'oublie, c'est quoi? Tout ce monde-là qui existe dans le livre, dans son livre, Moïse, Gédéon, Abraham, personne n'a prié les anges. Même Jésus n'a jamais prié les anges. Même Jésus. Je te donnerai le passage tout à l'heure là. Matthieu 26, 53. Jésus dit, quand il a dit, ne prierai-je pas mon Père pour qu'il puisse m'envoyer? En tant qu'homme, il ne pouvait pas s'adresser directement à un ange. Mais j'ai un passage que j'ai retenu qui peut nous aider. Et les téléspectateurs, lisons d'abord ce passage, tu vas poser ta question après. Acte 12, le verset 5. Acte chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Les prières étaient faites non pas à l'ange, Rémi, mais les prières étaient faites à qui? À Dieu. Acte 12, verset 5. Tu peux lire rapidement? Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Des prières qui sont adressées à Dieu. Maintenant, va au verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Sur base des prières de l'Église en faveur de Pierre, Dieu décide d'envoyer un ange pour pouvoir aider Pierre. Donc l'ange qui est venu ici n'a pas été demandé par Pierre. Parce qu'ils sont au service de Dieu. Ils n'obéissent qu'à Dieu. Quand un ange commence à obéir à un homme, à écouter la prière d'un homme, ce n'est plus un ange de Dieu. C'est un ange déchu. C'est un ange satanique. Un ange démoniaque. D'ailleurs, vous pouvez aller au verset 17, rapidement. Verset 17. Oui, toujours acte 12. Pierre, leur ayant de la main fait signe de ses terres, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Ça va déjà. Lisons de manière claire ce verset. Pierre, leur ayant de la main fait signe de ses terres, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Ce n'était pas le Seigneur. C'était l'ange.
Mais parce qu'il sait... Oh, c'était pas l'ange, mais c'était... Les... Non, non. C'est lui qui l'a tiré de la prison. Mmh. C'est un ange qui est venu le réveiller. Mais quand il vient annoncer, il ne parle même pas de l'ange. Parce que lui n'a pas de compte à rendre à l'ange. Vraiment. Il a de compte à rendre au Seigneur. Vraiment. Il a expliqué in extenso comment s'est déroulée la situation. Vraiment. Et il ne parle même pas de l'ange. Il parle du Seigneur qu'il a tiré. Parce que lui, il a des comptes à rendre au Seigneur. C'est le Seigneur qui a répondu aux prières qui lui ont été faites. Et le Seigneur a décidé d'envoyer un ange. C'est le Seigneur qui décide de la manière. Il peut envoyer un ange, il peut guérir directement. Voyons l'image de cette femme qui avait touché la robe de Christ. La femme à l'écoulement du sang. Il n'y avait pas d'ange. Il a été guéri directement. Donc, le Seigneur a mille méthodes de pouvoir obtenir un ange. Pas simplement par le fait des anges. Et la phrase que nous avons lue dans le livre de M. Oedé pour David, il a dit ceci, à la page 10. « Je suis heureux de vous faire savoir que Jésus a cru dans les anges. » Il y a une motivation démoniaque. Il y a une motivation derrière cette phrase. Qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus a cru aux anges. Vous aussi, commencez à croire aux anges. Attendez, tout cela pour amener les fidèles à pouvoir s'aménager, à pouvoir comprendre que sans les anges, on ne peut rien faire. Une séduction, une motivation démoniaque, diabolique, qui est en train de pousser les enfants de Dieu pour aller embrasser le ministère des anges. Et c'est ce qui est arrivé, parce qu'à la page 16, on peut aller à la page 16, rapidement. Pasteur, je voudrais poser une question. Oui, vous avez votre question à poser. Vous avez votre question à poser. Je vais terminer ce premier point, parce qu'on est le temps aussi nous presse. Hein. Il faut que la fois passée, on tire les leçons de la fois passée. À la page 16 et à la page 17, écoutez ce qui est dit. Oui. Si vous êtes né de nouveau, la parole de Dieu le dit, et vous devez le savoir, avouez à voix haute, mot à mot, ce qui suit avant de continuer plus loin. Je suis un disciple de Christ. Il met, ça c'est correct. Syncrétisme. Il m'est donné par Dieu pour connaître le mystère du royaume du paradis. Ça c'est correct. Je suis un disciple de Christ. Ça c'est correct. Il a donné, moi, le don d'une instruction surnaturelle à démêler le mystère céleste. Maintenant, écoute le problème. Par conséquent, le mystère sera trop difficile à observer pour moi. Seigneur, je demande, ouvre ma compréhension au ministère des anges. Là, maintenant, il faute. Là, il ouvre une porte pour faire entrer cette doctrine qui est démoniaque. Et le monsieur avait dit que ce n'était pas une prière. Va jusqu'au verset 17. Vous allez voir à la fin. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, élargis ma compréhension. Accorde-moi un aperçu supplémentaire que je pourrais être en mesure de comprendre tout ce qui compte pour moi comme contenu dans votre livre. Amen. Qu'il en soit ainsi. Voilà la prière que j'appelle la première prière. Il y en a trois, on va le voir. La prière de connexion, la prière de l'initiation. Ça, c'est l'ouverture de la porte. Il ouvre vraiment la porte. Quand quelqu'un a été séduit par tout ce qui a été dit, par tout ce qui a été motivé de manière mensongère, la personne là maintenant croit, il fait cette prière déjà. Il est accepté dans le monde des ténèbres. Il ouvre la porte pour d'autres vérité, pour d'autres connaissances ésotériques que nous allons avoir, moi et toi, sur ce plateau, ce soir, l'amabilité d'examiner point par. Alors, pasteur, voilà ma question, elle est celle-ci, elle est simple. Hein. Oui. Vous croyez quand même, je ne sais pas s'il faut que je dise à l'existence ou à l'être de Satan. Vous croyez quand même, non, que Satan est là, absolument. Lucifer est là. Parce que alors, la Bible le dit. Je crois parce que la Bible le dit. Alors, après 40 jours de jeûne et prière du Seigneur Jésus, il monte à la montagne. Il est à la montagne et surgit là le diable Satan Lucifer pour le passer à la tentation. Et une des tentations, il dit jette-toi. Et puis le Seigneur enverra ses anges pour te secourir. Et lorsque vous dites qu'il y a un monsieur qui nous en... Donc, c'est-à-dire. Le diable, le tentateur là, le diable Lucifer, croit quand même que c'est Dieu qui envoie les anges. Et maintenant, lorsque vous nous dites que il y a quelqu'un qui vient nous envoyer à nous connecter directement aux anges, ce n'est pas aussi quelqu'un qui s'est rebellé aussi contre le diable, parce que le diable lui-même croit que c'est Dieu qui envoie les anges. Mais ce monsieur nous dit non, venez activer vos anges, vous-même vous pouvez les appeler ou soit vous voulez les renvoyer. Vous voyez pas que ce monsieur est même en contradiction avec le diable? Non, il n'est pas en contradiction avec le diable. Parce que la Bible dit, soit on est avec Dieu, soit on est avec Satan. Satan a des manèges.
Il y a des gens qui pètent par chaque jour ici, des pasteurs qui sont en train de péter. Vous le savez. Mais quand ces gens-là pètent, ils sont aussi en contradiction avec d'autres pasteurs. Hein? Mais tout ça, c'est le jeu du diable. Parce qu'il n'y a que deux camps. Le camp de Dieu qui est représenté par la parole de Dieu. Et le camp de l'ennemi où tout est accepté. C'est comme l'âge de Noé. Tout le monde est là, hein, dans l'autre côté. Donc, parce que, et Satan qui a voulu mentir à Christ, et celui qui est en train d'envoyer les gens à aller embrasser les anges directement, tous ils sont dans la même boîte. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, 1 Corinthiens 1, 9, et il nous dit ceci, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Et la Bible ne nous dit pas, cher ami, pour faire face à cette prière démoniaque de la page 16 et 17, la Bible ne nous dit pas d'aimer les anges, mais la Bible nous dit d'aimer Dieu. La Bible ne nous dit pas d'aller vers les anges. Matthieu 11, 28, verset célèbre. Venez à moi, pas vers les anges. Donc, avec cette première initiation, si vous le permettez, nous allons passer maintenant à une étape supérieure parce que l'auteur de ce livre était en train d'aller méthodiquement, de manière malicieuse. Parce que là, il y a la connexion. Mais après, tu vas voir comment. Il va créer une atmosphère où les gens doivent commencer à voir les anges partout. Et pourtant, là, il nous dit, soyez remplis de la présence de Dieu. À la page 24, parce que vous me permettez. Oui, allez-y. Prenez la page 24. La première, le premier paragraphe. C'est un instant de plaisir de Dieu, ouais. Sa volonté pour vous. Ouais. Les anges sont là à votre service, réalisez pour vous tout ce qui est la volonté de Père. Ouais. Ils s'engagent à obéir le commandement de Dieu. Alors maintenant, la phrase qui suit, c'est la phrase qui m'intéresse. Vous pouvez donc les envoyer à exécuter tout ce que Dieu a commandé vous concernant. Vous pouvez les envoyer. Ah. Ah. Dieu déjà commandé. Voilà. Moi, je me lève encore pour les envoyer. Le syncrétisme, il y a un mélange. Ça, c'est la séduction, vous comprenez. Donc, vous pouvez les envoyer. Donc, il est en train de convaincre les fidèles à pouvoir envoyer. Non, les anges peuvent être faits de la têtutesse face à Dieu. Ah. Donc, refuser la volonté. Mais vous, alors, vous levez, vous les commandez. Comprenez c'est ce ça qu'il faut comprendre. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Mais vous voyez la perfidie, hein, la malice. Comment on est en train de tuer le peuple de Dieu? Comment on est en train d'infiltrer la mauvaise doctrine parmi les enfants de Dieu? Et pourtant, la Bible dit, Jean 14, 13, Jean 14, 14, la Bible déclare que si vous voulez demander quelque chose à Dieu, il faut le demander au travers de Christ. Nous allons vous ajouter. Pas un autre chemin, c'est pour traduire le lingala. Christ, Christ seul. Tout ce qui ne passe pas par Christ est démoniaque. Fut-il par les anges? Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Là, nous voyons clairement que l'auteur de ce livre est en train d'envoyer les fidèles vers un trou. Dans un chemin, dans une route qui ne dit pas la Bible. Et ce n'est pas tout. Allez à la page 27 et à la page 28. Confessez-vous les mots ci-dessous, ci-dessus, en disant... En fait, tu peux commencer un peu avant, là. Oui. Le ministère des anges, aucun mal ne t'arrivera. Page 27. Commencez déjà au début, comme ça les gens vont comprendre. Aucun mal ne t'arrivera. Ah, attends. Parce que tu as fait de l'Éternel, je voudrais commencer là où... ok, c'est bon. Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, ça, même ça, le vrai. Plus haut, ta demeure, ouais. Aucun mal ne t'arrivera, okay. Ni toute plaie viendra près de ta demeure. Oh, continue. Car il donnera à ses anges la charge de toi pour te garder de toutes tes voies. Ils te porteront entre leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et additionneur les jeunes lions. De passer à la dernière. Les dragons n'épiétineront pas sous tes pieds. Là, on va comment... sous tes pieds. C'est une traduction. La, oui. Parce qu'il a mis son amour sur moi. Donc, je les délivrerai. Je mettrai en lui. En haut, parce qu'il a connu mon nom. Parce maintenant, qu'il a connu mon nom. Ok, maintenant écoutez, confessez-vous les mots ci-dessus en disant. Donc, tout ce qu'il a dit là, le psaume 91, que chacun puisse confesser cela. Tu enlèves le T, tu mets ton nom. Là, il est en train d'avancer dans son enseignement ésotérique, dans son initiation progressive.
Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que cette confession-là de mettre mon nom à la place de te n'est pas utile, papa Rémi. Pourquoi? Parce que la prise en charge des anges est automatique, nous dit la Bible. Je n'ai pas besoin de confesser pour que les anges viennent au-devant de moi. Je n'ai pas besoin de citer mon nom pour que les anges viennent au-devant de moi. Parce qu'il est écrit, tu l'avais dit, psaume 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc, dès l'instant où moi je crois au Seigneur, la prise en charge est automatique. Donc, pour tout chrétien, tu n'as pas besoin d'aller confesser. Tu n'as pas besoin de faire cette prière. Ça prouve d'ailleurs que quand on fait cette prière, au fait, on est en train de s'adresser à autre chose. On fait du surplus. Tu as déjà à manger, on te dit mange encore. Tu as déjà à on te dit prends encore. Donc, on prend la mauvaise direction. Quand tu vas confesser cela, tu es en train d'adresser ta prière non pas à Dieu, mais aux forces ténébreuses. Pourquoi? Parce que déjà la prise en charge est déjà prise. Psaume 34, 7. Dès l'instant où quelqu'un accepte le Seigneur, même maintenant, automatiquement, les gens de Dieu viennent au devant de lui pour le protéger et pour le tirer de tout danger. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nous continuons s'il n'y a pas de questions dans notre initiation. Allez-y, allez-y. À la page 32. Oh non, vous parlez dans l'initiation, on continue dans l'initiation ou bien on continue dans l'analyse? Oui, parce que là, je risque d'avoir peur là, avec les téléspectateurs. Non, non, parce que là, nous allons avoir une deuxième prière qui initie davantage les enfants de Dieu. Je vous avais dit une chose. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que la première, c'était la connexion. La connexion. Maintenant, il veut créer une atmosphère où les gens sont en contact avec le Seigneur. Que les gens apprennent cela. Que les gens s'accommodent de cela. Que les gens sont motivés à cela. Quand il y a un problème, directement, tu penses aux anges. Aux anges. Comme le gens qui se promène avec l'huile, l'huile d'olive. Quand il est malade, il ne prie pas le Seigneur. Il va directement prendre l'huile pour prier. Un autre débat. Je n'entre pas là. Hein. Donc, il est en train de créer une atmosphère autour des fidèles pour qu'ils croient, pour qu'ils sachent, pour qu'ils se mettent en charge de la présence des anges autour d'eux. Et pourtant, ça, c'est une forme d'emprisonnement. Alors, on peut absolument ça comme ça. Mais naturellement. Parce que j'ai aussi une question qui m'a taraudé ce matin en arrivant ici au bureau. Les gens qui disent que non, moi je suis prisonnier de Christ, moi je suis prisonnier de ceci, moi je suis prisonnier de la parole. N'est-ce pas aussi une sorte de servitude que les gens se mettent dans la tête? Parce que la Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bon, c'est aussi un autre non, débat. Non, laisse-moi répondre. Vous avez bien posé. Quand on est prisonnier de Christ, mais c'est bon. Quand on est esclave de Christ, mais c'est bon. Mais lui qui est venu nous affranchir, il veut nous rendre encore captifs, prisonniers encore. Mais quand on est prisonnier de Christ, cela veut dire qu'on est esclave. On fait tout ce qu'il dit. Et ce que Christ dit de nous, c'est bon. Et il le dit dans 3 Jean 2, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Donc, pour Christ, quand je suis, moi j'accepte d'être esclave de Christ. Mais maintenant, ici... Oh, quel est ce... Ah bon, je vais encore entrer dans un autre débat. Mais monsieur Rémi, ici, il n'y a pas de question de prisonnier de Christ. Ici, on est ailleurs. On n'est plus avec Christ. Mais préparez-moi un peu ce sujet-là. Hein. On aura à parler de ça. Parce que ça m'a terminé l'esprit, les prisonniers de Christ. On en parlera. Puisqu'on est fils, en même temps, on est prisonnier. Quel père dirait que mon fils, là, est mon prisonnier? Page 32. Page 32. Allez, page rapidement. 32, oui. Page 32. Oui. On commence à partir de la dernière phrase du verset 31, de la page 31. Ainsi, les anges sont réels. OK. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ce sont des forces invincibles, des capacités, invincibles capacités. Envoyées pour nous. C'est légèrement comme ça. Envoyées pour nous. Le diable sait. Alors pourquoi ne pas l'utiliser contre lui? Dites-lui maintenant. Dites-lui maintenant. Satan, tu n'as plus aucune incursion dans ma vie. Oh. On va les chasser au nom de Jésus. On le sait parce qu'on est victorieux parce qu'on a Jésus. Bien. On est victorieux parce qu'on sait qu'il y a ça. Ça, c'est le voleur qui crie le voleur. Vous comprenez? Continuez. Il dit, bon, j'ai la haie angélique. J'ai la haie angélique autour de moi, autour de ma maison, autour de tout ce que j'ai. Satan, enfermé là-bas, vous ne pouvez pas entrer ici. Les défenses de Dieu sont autour de moi. Votre plan méchant ne fonctionnera plus. Je peux voir. Et pourtant, les anges, ils campent autour de moi pour me délivrer. Oh, non, le diable ne craint même le diable, la craint même les anges. Vous comprenez maintenant le problème? Voilà pourquoi aujourd'hui, monsieur Rémi, quand il y a un sorcier qui vous poursuit, l'homme de Dieu te met en contact avec son ange protecteur, pas Christ, pour que tu puisses
contrecarrer le sorcier qui vient jeter de mauvais sorts. Quand tu as un problème de foyer, tu vas prendre les anges qui vont t'aider à résoudre ce problème. Tu as un problème en justice. Le pasteur va invoquer des anges protecteurs. Il y a des anges qui sont là. Tu as un dossier litigé au parquet. Ils viennent pour te protéger. C'est ça. Vous avez Zara. Vu l'essence. Et là, maintenant, on va le chasser, pas au nom de Christ, mais au nom des anges. Vous avez vu la prière. Et là, maintenant, c'est l'auteur, David, qui crée cette atmosphère vis-à-vis des croyants, qu'il puisse croire aux anges, capables de pouvoir le faire sortir du danger. Là, il le dit, l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache du danger. Mais lui, il est en train de parler des anges. Il promet, il motive, il pousse même les gens à aller avec les anges ensemble dans un combat pour faire obstruction, pour recevoir quelque chose. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que activer un ange, c'est avoir la capacité de mettre en action un ange pour pouvoir résoudre un problème. Ça peut être un problème de stérilité, un problème de mariage, un problème de fétiche. Et c'est ça que vous voyez. Satan, qui est en train de poursuivre Satan, il prêche la haie à angélique, une doctrine qui est en dehors de la parole de Dieu, mais pour aller attaquer Satan. Nous progressons à la page 36. Allons-y. Là, maintenant, il introduit la notion de l'ange gardien. Tous les kabbalistes sauront ceci. Tout pasteur kabbal prêche cela. Ça va faire l'objet d'une autre mission par rapport aux anges, les anges gardiens. Donc, il y a un ange gardien en charge de vous. Voilà. Dans un temps de crise, vous pouvez demander une expédition, mais il y a un ange en permanence responsable de voir les plans de Dieu et les buts de votre vie est accompli. Jésus a dit que même les enfants ont des anges. Voilà. Et voici... Il utilise la parole de Dieu malencontreusement pour démontrer sa perfidie, pour asseoir son mensonge, pour asseoir sa séduction. Et on peut aller à la page 37 et à la page 38 rapidement. Je dois Dieu a dit matière. Que les yeux n'ont non, pas la vu. Fin, la fin. La fin. 37, la fin. Il y a un lieu sans maladie sur cette terre. Il y a un lieu de super protection. Il y a un lieu de réussite. Quel que soit l'endroit où Dieu a préparé pour vous dans la rédemption, votre ange a un devoir de vous y amener. Et vous comprenez que à partir de la page 32 jusqu'à la page 38, le nom de Christ commence à être effacé. Il n'y a que l'ange. Il parle d'un endroit de maladie, sans maladie sur terre. Comme lui, il a donné son témoignage. Il n'a pas été malade pendant longtemps. Parce qu'il a un ange gardien qui l'a protégé. Et il dit clairement que l'ange, ton ange gardien, a la capacité de pouvoir t'amener jusque-là. Donc, chers téléspectateurs, voyez l'infiltration. Ce pasteur, cet auteur qui a écrit ce livre a des églises. Et toutes ces églises ont cette matière. Comprenez que nous sommes en train, ça c'est un matériel didactique que nous mettons à l'attention de tous pour que vous voyez la perfidie, pour voir la séduction qui a élu domicile dans l'église corps de Christ. Donc, et on peut toujours continuer à la page 44, on peut y aller. Page 44 et 45. Oui, 44. Là où on a écrit, maintenant, on ne peut utiliser que quelque chose qu'on a vu. 44 et 45. Oui. Situation et circonstances. Les choses qui ont été écrites à l'avance ont été écrites pour notre apprentissage. Nous devons donc regarder profondément dans la parole, localiser les clés principales et les principales voies que le premier saint employé pour l'efficacité et libération de leurs anges. Cependant, continuez à lire. Avant d'envisager quoi faire, laissez-nous d'abord ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les facteurs qui pourraient gêner ou retarder les services angéliques, même dans la vie des héritiers du salut. Continue, papa. Une entrance. C'est quoi tu peux sauter ce que tu n'arrives pas à lire. En ce qui concerne les choses de Dieu, jusqu'à vous les croyez, vous ne pouvez pas en faire l'expérience. Tout ce qui est écrit doit être vu avant de pouvoir être possédé. Voilà. Tout ce qui est écrit doit être vu
Maintenant, à la page 46, sous le passage La Noire, il y a une phrase qui m'intéresse. Si on peut lire cette phrase. C'est que vous ne pouvez pas voir, oui. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Maintenant, il est en train de préparer le peuple de Dieu à monter de dimension. Cela veut dire que vous avez fait la connexion, première dimension. Deuxième dimension, vous avez créé une atmosphère où il y a les anges partout. Maintenant, il faut commencer à les voir. C'est une dimension dans la sorcellerie, dans l'occultisme. C'est pourquoi il cite le passage de 2 Rois, chapitre 6, versets 14 à 17. Hein? Là où Élisée avait dit à Géasi d'ouvrir les yeux, de voir les armées qui étaient désentourées. Et maintenant, il est en train d'amener le peuple vers ce champ-là. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il va faire une prière. Ça, on va prendre la prière. Une troisième initiation à la page 48, rapidement. À la page 48. Au début. Nous prenons au début. Ouais. Être ouvert. Premier paragraphe. Mettez deux doigts. Commencez à partir de la fin de 47. Élisée a prié pour que je ne sois pas. Pour avoir une intervention angélique comme ils l'ont fait. Oui. Vous devez également voir les anges comme ils l'ont fait. Ok. Et vous commencerez à opérer dans le domaine invisible, invincible. Invisible. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose? Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts et ils ont été ouverts. Ah, mettez deux doigts sur vos yeux, voilà. Vos deux yeux, et dites-leur. Soyez ouverts pour voir les forces invisibles du ciel qui sont autour de moi. Voilà. Soyez ouverts le matin, l'après-midi et la nuit. Stop un peu là. Chers téléspectateurs, remarquez là où nous sommes en train d'arriver. Il est en train de dire aux fidèles de faire une prière incantatoire, une incantation, de mettre deux doigts sur les yeux et de déclarer une parole démoniaque pour que les yeux puissent s'ouvrir. Parce que selon lui, avant d'agir, il faut voir. Élisée avait vu. Géasi aussi avait vu. Vous aussi, vous devez voir. Papa Rémi, vous voyez un peu là où nous mène ce livre. C'est pourquoi j'étais en train de dire que quand vous lisez ce livre avec des passages bibliques, vous terminez la Bible en étant sorcier, en étant occulte. Donc quelqu'un qui va finir cette Bible sera en mesure de voir les anges avec lui, dans sa chambre, dans son salon. Ça dépendra de la manière dont les anges qu'il a invoqués vont lui déterminer la procédure à suivre pour qu'il puisse commencer à les voir. Et pourtant la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Le psaume chapitre 16, le verset 8, David est en train de dire ceci, j'avais constamment les yeux tournés vers le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne nous dit en aucune place, en aucun verset, en aucun passage que nous devons commencer à avoir la vision des anges. Là, nous sommes en plein dans une initiation de l'angéologie kabbalistique. Donc, vous pouvez observer l'enchaînement. Parce que quelques temps, là, je voudrais que vous épuisez tout. Là. L'enchaînement. On a commencé par une connexion, par une sensation d'âge. On a maintenant commencé à voir. Maintenant, on va commencer à parler aux anges. Vous le voyez et vous commencez à parler avec eux. Voilà là où nous amène ce livre de M. Oedepo, .0, David. Pasteur, oui. Alors, les anges oui. qui sont fidèles à Dieu, oui. qui servent Dieu en notre faveur, oui. peuvent-ils nous entendre lorsque nous les invoquons, ou soit nous appliquons toutes ces méthodes ici dans géologie, peuvent-ils nous entendre et obéir? Je vous ai dit, c'est là la frontière. L'ange de Dieu n'entend pas la prière des hommes. Il n'écoute pas le commandement des hommes. Il n'écoute pas l'adoration des hommes. Parce qu'il est serviteur, comme moi. On va voir ce passage à la fin. C'est d'ailleurs un avertissement même. Nous tendons déjà vers la fin, aussi, oui. ce signe-là. Alors, allons rapidement à la page 66. Il est temps de commencer à vous vanter. Si vous avez une réunion... Dites, l'ange du Seigneur va devant moi pour donner de la dignité à mon apparence et mettre entre mes mains les choses que je désire. Ça, on commence à parler à l'ange. Page 68, troisième paragraphe. Troisième paragraphe. Jésus, dans son enseignement, a décrit les anges comme moissonneurs
Si les mots que nous parlons sont des graines, cela signifie que les anges récoltent nos mots par les amenant à passer votre... Un peu avant, écoute ce qui est écrit. Nous ordonnons aux anges de Dieu d'agir selon nos envies. Et à la fin, là où vous lisiez, écoutez ce qui est écrit. C'est très important. C'est très important. Tout ce que vous dites est ce qui est bien et ce qui les excite. Votre langue est la clé. Parce que là, la langue est exercée pour commencer à parler aux anges. Et à la page 69, la dernière phrase, tu peux lire, ça c'est important. Lorsque vous entrez dans votre bureau, dites aux anges, ouvrez mes portes de bureau aujourd'hui pour la faveur de telle sorte que toute personne qui vient me considérera comme une personne être aimée, appréciée et récompensée. Lorsque vous entrez dans votre bureau, dites aux anges, ouvrez mes portes de bureau pour la faveur de telle sorte que toute personne qui viendra. Ainsi de suite. Maintenant, pour conclure, Papa Rémi, Apocalypse 22, le verset 9 et 10. Là, nous allons voir l'avertissement de l'ange de Dieu face à Jean. Apocalypse 22, 9 à 10. Apocalypse 19, le verset 10. Je prends 22, vous allez prendre l'autre là. 22, 9 à 10. Oui. Mais il me dit... Oui. Ah, je commence par 8, hein, c'est mieux, hein, pour qu'on comprenne. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais, il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ok, Papa Rémi, vous avez vu ce que l'ange a dit à Jean. Je continue avec Apocalypse 19, le verset 10. Je tombais à ses pieds pour t'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous entendez, tout ce livre est un livre ésotérique, un livre occulte. Vous avez vu ce que la parole de Dieu dit, nous sommes à la frontière. Personne ne peut prier un ange. Personne ne peut commander un ange. Personne ne peut adorer un ange. Et l'exemple le plus probant, nous le voyons ici, Apocalypse, où l'ange, nonobstant l'avertissement qu'il dit à Jean, il lui dit, garde-toi de le faire. Or, c'est tout le contraire de ce que M. Oyedepo pour David nous a enseigné dans son livre. Et que nous, on ne pouvait pas se taire. Hein, malgré toutes les menaces que nous avons, Papa Rémi, nous avons la tâche de pouvoir dire aux uns aux autres pour pouvoir fuir de cette trappe. Il y a une trappe de l'ennemi par rapport à cette matière. Et pour terminer, je vois que tu es en train de te préparer. Vraiment. À la page 87, il dit, y a-t-il un domaine de la vie où vous voulez voir vos anges en action? Appelez-les maintenant. Là, il a fini l'initiation. Donc, tout celui qui a été suivi par ce livre, qui a suivi toutes les étapes, sera en mesure de pouvoir activer, de pouvoir voir les anges, de pouvoir parler aux anges. Or, voir un ange, voir ton ange, parler à un ange est strictement défendu dans la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, Dieu ne voudrait pas que nous soyons en contact avec les démons. Or, ici, on est en train de nous mettre en contact avec des anges, au fait qu'ils ne sont pas des anges de Dieu, mais qui sont des démons qui sont déguisés. Voilà un peu la matière qui a été préparée pour ce soir. S'il y a encore des questions, je serai pour répondre. Mais je voulais quand même étayer ce que j'avais dit. Je pense que vous êtes convaincu de cela, que ce livre du début jusqu'à la fin n'est qu'ésotérique, n'est qu'un livre qui est occulte. Nous disons merci beaucoup à l'homme de Dieu, le prophète Samuel Tamba, pasteur assistant à l'église Assemblée pour Christ, ici à Kinshasa. Nous saluons comme ça le représentant légal, le prophète Gary Kenge, ainsi que toute la grande communauté des ambassadeurs pour Christ. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé des anges et de leur ministère. Vous avez compris, nous n'avons pas de commentaires à faire. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute et entende ce que le sonneur de trompette a lancé. Nous vous disons merci. Merci à l'équipe technique, Henri Toumbogne à la réalisation, Yaremi Diakoubika au cadrage, à la coordination
Au son, Théophile Otchoudi, à la maintenance Windows, bienvenue Kimwini, et à la coordination, Donatien Lutundu, la Zaza Père Double. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir.